Cher Marcel Marnat, vous êtes avec Harbie Ornstein et Roger Nichols, deux anglo-saxons, un des trois grands biographes de Maurice Ravel. Et votre biographie, parue en 1986, reste l'ouvrage de référence en français sur Ravel, avec bien entendu, sur le plan purement musicologique, celui de Yankelevitch. Racontez-nous comment vous êtes devenu le biographe de Maurice Ravel. Vous savez, Pascal a dit que l'important c'était le choix d'un métier, que le hasard seul en dispose. C'est à peu près ce qui s'est passé. Bien sûr, j'avais de longues dates depuis l'adolescence, des hauts et des bas dans mes rapports avec Ravel, et généralement de plus en plus de hauts et de plus en plus de... La sensation que Ravel disait des choses dont personne ne parlait. Et puis un jour, Jean Nittard, qui s'occupait chez Fayard de cette admirable collection de monographies qui ont couvert tous les grands musiciens maintenant, m'envoie une lettre très déférente. Je travaillais à la radio en disant « on aime bien vos émissions, on aimerait avoir un projet éditorial avec vous ». Je me souviens de la formule qui était très déférente, n'est-ce pas? Heureusement, depuis, nous avons eu des rapports plus familiers. Et alors, moi j'avais énormément de travail. Je dis, écoutez, je suis très flatté, très touché, mais je n'ai pas le temps. Quand même, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Vous savez qu'à Paris, tous décident dans un déjeuner. Alors on se rencontre, on sympathise, on parle de 36 choses. Et je m'étais dit, il faut peut-être leur donner quand même un os à ronger. J'avais pensé à Vivaldi, sur lequel, à l'époque, je vous parle dans les années 65, par là, il n'y avait rien sur Vivaldi. Il y a quelque chose à dire, il y a beaucoup de choses à dire. J'avais moi-même écrit quelques petites centaines de pages chez Steiger sur Vivaldi, dont je n'étais pas fier, j'avais envie de recommencer. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'on a parlé d'un concert, d'un disque, de référence personnelle, je n'en sais rien. Tout d'un coup, Jean Nittard me dit, mais Monsieur Marnat, c'est de Ravel que vous parliez. Et moi, je le regarde épouvanté, parce que dans ces années-là, il y avait encore tous les grands témoins, n'est-ce pas, ceux qui pouvaient encore dire, ah, mais non, c'est pas comme ça, c'est autrement, etc. Et je lui dis, non, parce que moi, j'ai mes petites idées sur Ravel. Il me dit, mais justement, les grands témoins, ils se recopient tous les uns les autres, ils répètent tous la même chose. On aimerait bien un regard plus neuf de quelqu'un de plus jeune. J'avais pas envie de me lancer dans une entreprise qui, je sentais, allait être assez lourde. Et puis alors, quelques circonstances à la radio, vous savez, on est un peu sur un siège éjectable, ont fait que je me suis trouvé quelques mois de répit. Je me suis dit, tiens, ben, si j'essayais. Et bon, j'essaye Ravel, je fais une centaine de pages, que je laisse dormir parce que c'était sans toutes les vacances. Ensuite de ça, je les relis. Et je les trouve absolument lamentables. Ben voilà, ça c'est le Ravel de tout le monde. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne peux pas vous dire quel alambic s'est mis à fonctionner à ce moment-là, mais tout a été recomposé. Et je me suis mis à écrire Ravel avec des temps de suspension, parce que mon travail radio ou ailleurs m'accaparait. Enfin, ce qui fait qu'au bout de 8 ans, je me suis retrouvé avec ce livre que vous voulez bien montrer, qui fait quelques... Enfin, le manuscrit faisait plus de 1000 pages. Et voilà, c'est tout ce que je peux raconter, c'est pas à moi de dire comment c'est. Non, non, bien sûr. Par rapport au texte d'Ornstein, justement, qui a été publié une vingtaine d'années avant, comment est-ce que vous vous positionniez? Vous le connaissiez? Vous en avez eu connaissance tout de suite? Alors, Ornstein, j'en avais entendu parler assez tôt, je pense en 68, quand il y avait eu la toute première édition d'Ornstein en Amérique, parce que j'avais mes entrées au Seuil où je travaillais de temps en temps, et François-Régis Bastide, qui s'occupait de tout ce qui concernait la musique et les livres de petit format, me dit « Oh Marnat, il vient de paraître enfin en Amérique un livre de première bourre sur Ravel, enfin on va avoir un livre valable sur Ravel, c'était, à mon avis ça manquait en France. » Et je dis, il faut le faire traduire. Il me dit, oh, mais on s'en occupe. Par conséquent, j'étais rassuré de ce côté-là, je ne pensais absolument pas à moi-même. Et alors là-dessus, c'est passé comme toujours à Paris, des mois et des mois et des mois. Je ne sais pas pourquoi tout est si lent à Paris. Et je dis, bah oui, est-ce qu'on est le livre d'Ornstein?
On dira, l'auteur est passé, il s'est mal entendu avec le traducteur, je crois, qui avait coupé quelques lignes du texte original sur Montfort-l'Amaury, qui était à 40 km de Paris. Il fallait prendre le train à la gare Montparnasse, d'ailleurs, à l'époque, c'était à Saint-Lazare, enfin, peu importe. Des discussions comme ça, finalement, tout le monde s'était énervé et on avait dénoncé le projet. Ce qui fait que Einstein était en panne. Il l'est toujours. Il l'est malheureusement toujours. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'on le republie, mais je passe un livre qui a la poisse. À chaque fois que, par exemple, Jean-Michel Blectoux a voulu le mettre dans sa collection chez Flammarion, mais la collection Flammarion a été supprimée, ce qui fait que... Bon. Alors, Orenstein, simplifions les choses, a fait une biographie à l'américaine, c'est-à-dire avec un essai sur Ravel. Mais ça lui appartient vraiment. Mais ça, l'essentiel de son travail, à mes yeux, c'est d'avoir reconstitué minutieusement la biographie de Ravel, pratiquement jour par jour, avec des dates exactes, alors que les dates qui circulaient étaient parfois grotesques. On dit par exemple que la valse a été entreprise le 15 décembre et qu'elle a été créée le 25 janvier, ce qui évidemment ne tient pas debout. Et ça a été reproduit partout pendant 50 ans. Bon, tout était comme ça. Alors, Einstein, avec sa rigueur d'universitaire américain, a remis tout d'aplomb, a corrigé mes 85 dates qui étaient approximatives, c'est à peu près ceci, c'est là. Et on ne peut pas écrire une biographie de Ravel sans Einstein, et ça, je lui rends un hommage d'autant plus volontiers que depuis, je l'ai rencontré plusieurs fois, et que nous sommes en très bons termes. Et malgré ça, j'estime que plus il y aura de livres sur Ravel, mieux ça vaudra. Par conséquent, il faudrait que ce livre fondamental, il faut absolument que Einstein ait en France la place qui est la sienne, vraiment. Moi, c'est assez différent, parce que j'ai repris, bien sûr, les éléments biographiques d'Einstein en citant mes sources. Et c'est en fait un gros essai sur Ravel pourquoi, Ravel comment, Ravel vient d'où, Ravel où allons-nous. Et comment la perception qu'on a de Ravel maintenant. Parce que moi, ma génération, c'est venu après la guerre. Il faut bien dire qu'avant la guerre, de Ravel, on parlait d'une manière extrêmement superficielle, comme un petit maître, un gentil français qui faisait de la musique concise, jolie, élégante, etc., mais pas plus. Alors Einstein est l'un des premiers, avec en France André Suarez. Important que ce soit un écrivain qui ait mis le pavé dans la mare. André Suarez, attention. La mort triomphait dans cette voix étrange, pour citer Edgar Poe, qui était une admiration de toute la génération de Ravel. Ravel, il y a quelque chose derrière qui se cache, il va falloir chercher. Et alors, ce qui certainement se cachait, sans même peut-être que Ravel en ait conscience, derrière sa musique que l'on disait parfaite pour ne pas avoir à en parler, on s'est rendu compte après la Seconde Guerre mondiale, qu'effectivement il y avait une quantité de choses d'origine politique, mais ce n'est pas de musique politique, c'est une musique qui parle d'un avenir menaçant, surtout après la guerre de 14. Parce que la guerre de 14, ça ne s'arrêtera visiblement pas là. Et ça, c'est dans la musique de Ravel d'après la guerre. On peut dire que l'œuvre de Ravel se divise en deux parties. Il y a celle qui est d'avant 14 et celle qui vient après. La guerre. Et la guerre de 14 constitue une vraie césure dans son œuvre. Et vous avez écrit quelques lignes à ce sujet que je voudrais citer, et on va revenir dessus après. L'écho obtenu de nos jours par la musique de Maurice Ravel amène à reconsidérer l'image diminuée dont eut à souffrir la personnalité même du compositeur. Cette approche obtuse, restituant un petit homme secret, distant, pour ne point dire dédaigneux, alla jusqu'à ignorer la rupture spectaculaire qui intervient entre le musicien artiste d'avant 14 et le créateur qui s'impose dès 1919 avec une musique engagée. Et donc c'est cet écart entre l'artiste et le musicien engagé que je voudrais aborder maintenant, revenir sur cette césure et sur la différence en termes substantiels de sa musique d'avant 14 et de celle d'après 14. Si vous me permettez un peu d'humour, je suis étonné d'avoir écrit une phrase aussi claire, aussi démonstrative, convaincante. Bon, c'est évident qu'avant la guerre de 14, Ravel est un homme de sa génération,
Il avait déjà presque le handicap, étant donné la structure sociale des artistes à cette époque-là, l'handicap d'être d'un milieu modeste. Il a su faire oublier ça très vite par son comportement personnel, qui était pas du aristocratique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qui était d'une grande tenue, d'une grande noblesse. Et à partir de là, il a fait cette musique qui avait un profond écho, comme l'est par exemple le théâtre de Maeterlinck, où avec des phrases apparemment anodines, mon petit bras n'est pas assez long qui fait assez rire. Et on s'aperçoit que ça va très loin, parce que c'est ça le symbolisme. C'est qu'avec très peu de choses, on suggère un monde entier. Et alors ça, jusque vers 1905, je dirais les miroirs, Ravel est forcément, étant donné sa jeunesse, en 1905, il a 30 ans, étant donné sa jeunesse, est complètement imprégné de ce qu'on appelle en littérature le symbolisme. Bon. Et il y a les miroirs qui constituent déjà une certaine rupture, où tout d'un coup, cette musique devient volontiers abrupte, et je dirais presque de l'eau forte à la place de l'aquarelle, de la peinture à l'huile. L'eau forte absolue, c'est l'Albardale Gracioso, par exemple. Ce qui n'empêche pas la Vallée des Cloches, qui est une immensité, mais alors justement, elle n'est pas symboliste. Elle nous présente un paysage qui a simplement la nouveauté d'être complètement immense, admirable. Dominique Merlet est un pianiste actuel qui joue ça avec une ampleur de champ, je dirais, une espèce de superposition de plans sonores qui vont tellement à l'infini, exactement ce que souhaitait Ravel. Il n'est sans doute pas le seul, mais il est vraiment l'un des plus grands, et je voudrais lui rendre hommage. Et à partir de miroirs qui commencent justement à casser un peu le moule, à chercher des arêtes plus vives, plus tranchantes par rapport à ce climat, je dirais, rêveur, pour simplifier, on aborde des œuvres tout d'un coup beaucoup plus abruptes, et je pense à un chef-d'œuvre absolu qui est la série des valses nobles et sentimentales, qui commence vraiment abruptement, qui s'adoucit, qui ouvre un éventail de sensations et d'attaques tellement, tellement variées jusqu'à finir dans le silence, que là, on sent que Ravel va complètement ailleurs avec une œuvre par ailleurs harmoniquement extrêmement riche, extrêmement subtile. Et puis alors, il y a aussi une chose à laquelle il faut penser, c'est les trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Il avait fait au moins un poème de Mallarmé dans sa jeunesse, Sainte, une mélodie, et en 1913, Gallimard a l'idée de réunir les 10 ou 15 publications mallarméennes qui étaient dispersées dans des tout petits tirages hors de prix, ce qui fait qu'on se les passait sous la main en les recopiant, avec toutes les fautes que ça peut supposer, etc. Et voilà qu'en 1913, Gallimard recentre tout ça et fait un volume Mallarmé Poésie. Quand en 1913, Diaghilev demande à Stravinsky essentiellement de revoir un peu les bribes de Kovanchina que Moussorgski avait laissées de Kovanchina, qui est un opéra de toute beauté, même tronqué tel qu'il est, Stravinsky dit oui, mais alors en France, il y a quand même un type qui connaît bien Moussorgski, faudrait voir ce qu'on peut faire ensemble. Et alors il se retrouve en Suisse. Et Stravinsky rejoint Ravel à Clarens en lui disant d'écouter une musique effroyable. Mais qu'est-ce que c'est intéressant? Il y a 5 instruments, je crois, qui font un bruit épouvantable, une musique terrible, mais d'une telle puissance d'évocation, je ne sais pas. Il faudrait qu'on essaye de faire ça, lui qui faisait le sac, qui allait faire le sac du printemps, qui allait sortir le sac du printemps, qui était déjà écrit, enfin, avec un orchestre de 120 musiciens. Bien sûr, il s'agissait du Pierrot Lunaire de Schoenberg qui venait d'être créé à Berlin. Et Ravel, de oui dire, car il n'y avait pas de partition, dit, mais oui, c'est vrai ça. Alors, il connaissait Ravel. Connaissait Schoenberg très bien par Casella, qui était un pianiste italien qui faisait la navette facilement entre Vienne et Paris, et qui avait montré à Ravel les premières œuvres de Schoenberg, archi-romantiques comme vous savez, et puis alors il y avait eu Erwartung. Et ce qui avait conquis Ravel dans Erwartung, c'est moins les tendances atonalistes que le fait que
ça menait à une dislocation de la phrase sans qu'on perde le sens, car c'est une mieux chantée. Et apprenant la parution des poèmes de Mallarmé, il a dit « Mallarmé, tellement difficile à appréhender pour un lecteur, peut-être avec de la musique, le fait de pouvoir enjamber comme ça de grands intervalles avec les mêmes mots permettra une plus grande pénétration de ces trucs. » Et il fait deux poèmes de Mallarmé. Dans l'esprit de ce Pierrot Lunaire qu'il n'a ni vu ni entendu, tel que le lui a raconté Stravinsky. Alors là-dessus, il apprend en revenant à Paris que Debussy fait lui aussi des poèmes de Mallarmé, et comme par hasard, les mêmes. Alors il y a flûte, il faut que j'en fasse un troisième. Alors là, il a choisi un poème différent. Bon. Mais ce qui nous intéresse là, dans le cas de Ravel, c'est que Ravel avait complètement inventé une espèce d'autre Schoenberg, avec le même corpus instrumental, et des effets de grands intervalles hérités de Erwartung cette fois, qu'il connaissait bien, et on a cette œuvre tellement énigmatique, tellement fascinante, sans doute une des plus hautes de Ravel, qu'on joue rarement parce qu'elle n'est pas facile à dominer, et du point de vue instrumental et du point de vue vocal, mais qui est de toute beauté, pour peu qu'on l'écoute deux ou trois fois, si par hasard on n'est pas conquis d'emblée. Alors, avant la guerre de 14, il y a donc une évasion, tout en étant très... les poèmes de Mallarmé, on est en plein symbolisme. Mais justement, il le pousse ailleurs. On peut dire que jusqu'en 1913, on a un compositeur, artiste, qui répond à un certain nombre de problèmes formels, sans s'attacher à répondre à des problèmes du monde extérieur. C'est cette première période qui va culminer avec les deux œuvres que vous citiez, les valses nobles et les trois poèmes de Mallarmé. Le final de Daphnis déjà. Ouais. Déjà le final de Daphnis en 1912. Ouais. Et puis à ce moment-là, au moment de la guerre, arrive le trio. Après les Mallarmé et les valses nobles, il semble que Ravel ait eu un moment d'égarement en disant « Mais où est-ce que j'en suis? Je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et il fait une œuvre rigoureusement néoclassique, qui bien sûr ne ressemble à rien de classique chez nous, mais rigoureusement néoclassique, très proprement écrite. Il disait lui-même, il en plaisantait, je donnerais bien toute la science du trio contre la naïveté et la candeur du quatuor. Oui, mais enfin, il avait besoin de cette science du trio pour passer à autre chose. Et puis là-dessus, c'est la catastrophe. À noter que le trio n'est pas fini quand la guerre de 14 éclate, et on a peut-être, à l'extrême, ce qui est rare dans la musique de Ravel, surtout à cette époque-là, il y a peut-être un écho de cette catastrophe européenne à l'extrême fin du dernier mouvement du trio, où tout d'un coup ça devient hargneux, alors que rien ne l'imposait. C'est la même musique, c'est les mêmes thèmes, mais tout d'un coup il y a quelque chose de griffu qui surgit et qui laisse dans le malaise. Là-dessus, la guerre éclate. Ravel veut absolument être embauché alors qu'il a, au point de vue physique, il n'en a pas les moyens. Il fait des pieds et des mains, il fait intervenir des relations politiques, c'est assez émouvant, presque comique. Bon, finalement, il est reversé dans l'auxiliaire, et entre-temps, il a eu le temps de faire une chose exceptionnelle dans son œuvre, c'est les trois pièces pour chœur seul, trois pièces pour chœur a cappella, sur des textes de lui-même, et toujours pareil, la pudeur. Une ronde, une plaisanterie presque, enfin, la tradition française du XVIe siècle, un peu salace, et au milieu, une évocation très distanciée de la guerre et des mauvaises nouvelles qu'on reçoit, notamment des morts. Et cette œuvre magnifique, difficile à chanter comme tout le reste, est créée pendant la guerre à Paris, mais enfin, bon, l'œuvre, disons, c'est la transition entre l'œuvre symboliste et l'œuvre qui témoigne. La guerre finit par s'achever. Il se trouve qu'au même moment, la mère de Ravel, qui avait rien dit jusque-là, et Ravel, au front, fut-il brancardier, ne s'en était pas rendu compte, sa mère meurt d'un cancer, et Ravel se sent coupable. C'est assez classique.
Et Ravel, qui adorait sa mère, se met à souffrir énormément, souffrance qui rejoint celle qu'il a vue extérieurement, si on veut, si on peut dire, au front. Et toute cette souffrance, disons, de l'humanité, des artistes, des malheureux qui, comme il écrit dans une lettre, disent des gros mots toute la seule journée et qui vont devenir des héros en prenant quelques prénoms dans la figure, ouvre à Ravel un champ de regard auquel il n'avait jamais songé parce qu'il était artiste, parce qu'il était quand même dans un milieu relativement calfeutré. Et là, tout d'un coup, ça ne tient plus. Ce qui fait que, brutalement, Ravel mute, il n'y a pas d'autre mot, c'est une mutation totale dans le caractère de ses musiques. Alors, les choses sont moins nettes que cela, parce qu'il y a toujours le jeu des commandes, des projets avortés qui veut finir, par exemple, le tombeau de Couperin, qui était une œuvre délibérément néoclassique dans l'esprit du trio, qu'il faut bien qu'il était consciencieux, il fallait le finir. Mais ça ne doit pas brouiller le regard qu'on a sur ce qui survient. Ce qui revient, c'est essentiellement la valse, disons, pour simplifier les choses, et puis aussi Frontispice, qui est une pièce tout à fait étrange, pour deux pianos et une cinquième main qui vient mettre un peu la pagaille dans l'harmonie. La valse, c'était quoi? C'était une commande de Diaghilev qui était en perte de vitesse, qui se disait, bon, bah, pour retrouver un public après la guerre, même problème, mais autrement pour lui aussi, faisons des jolis ballets. Alors il y a eu la boutique fantasque d'après Rossini, il y a eu les femmes de bonne humeur d'après Scarlatti, il y a eu Pulcinella d'après Pergolèse, et il se tourne vers Ravel en disant, bah, vous qui avez fait des valses, faites-moi quelque chose de joli sur des souvenirs de valses de Vienne. C'était un projet que Ravel avait depuis très longtemps. Simplement, il l'avait dans la perspective des valses de Vienne, disons, la Vienne de l'avant-guerre, la Vienne du bonheur, la Vienne du... Enfin, le bonheur à Vienne, il faut te regarder deux fois. Du Second Empire. Voilà, enfin, disons, de François-Joseph. Et Ravel se met au travail, voit que ça va être très difficile. Il est dans le deuil de sa mère, il se réfugie par un hiver épouvantable dans un désert en Ardèche, et dans le froid, le frimas, la tempête et tout ça, il fait une œuvre absolument hurleuse, hagarde, qu'il amène à Diaghilev, non pas 15 jours après, comme l'écrit un des premiers biographes, ça ne serait pas possible, mais il revient à Paris en avril. Et il montre ça à Diaghilev qui, ne voulait pas de ça. Il voulait quelque chose de pimpant, de joli, etc. Et il a une espèce de bombe qui lui éclate dans la figure. Il dit, bah, écoutez, c'est très beau, mais moi, j'en veux pas. Et Ravel, très digne, sachant très bien que ça ne pouvait pas marcher, est reparti, au témoignage de Francis Poulenc, est reparti, tout simplement, avec sa partition sous le bras, en disant, bah, tant pis, qu'il se débrouille. Et ça a été joué beaucoup plus tard, notamment dans la version d'abord pour piano seul, ensuite pour deux pianos, et enfin, par Ida Rubinstein, qui va être sa grande amie de toute la fin de la vie de Ravel, en tant que ballet. Mais quand on entend la valse, qui entre-temps avait fait une carrière au concert, on est absolument effaré. Parce qu'on a beau me démontrer, et ça François-Joël Thiollier l'avait fait admirablement dans une émission de radio il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années maintenant, même si un musicien professionnel reconnaît certaines valses de Vienne, elles sont tellement transformées, tarabustées, qu'on ne les reconnaît pas. Et ça devient cette espèce de chose explosive en disant maintenant, ça c'est fini, tout est foutu, il faut repartir autrement, avec d'autres bases, en tout cas ça s'est terminé. Et cette espèce de violence, qui n'est pas nouvelle chez Ravel, mais qui cette fois-ci s'exprime vraiment sans phare, brutalement, mais avec une brutalité incroyable, finalement. Quand c'est une valse bien jouée, on en sort absolument sidéré. Bon. Rosenthal jouait ça d'une manière absolument terrible. La fin, c'était vraiment la fin du monde, quoi. À partir de là, Ravel et bien d'autres musiciens, mais chez lui, c'est là que c'est le plus frappant, ne peut plus être le même musicien. Et à partir de là, il y a un deuxième Ravel auquel j'avais fait allusion, c'est le Ravel de l'après-guerre, qui n'est pas un musicien pimpant, joli, gracieux, etc., charmeur, même quand on se met en colère, mais un musicien, je dirais, militant. Attention, ça va recommencer.
Et toute l'œuvre de Ravel à partir de la valse de 1920 va être dans cet esprit d'éveil, mais d'éveil abrupt, d'éveil impératif. Et il n'y a pas d'œuvre, sauf peut-être quelques petites mélodies comme ça, et encore, « Ronsard à son âme », qui est un poème admirable, pose quand même le problème de la survie, enfin, des choses comme ça. Donc la richesse de ces œuvres devient... C'est là peut-être que l'après-guerre a récupéré l'essentiel de Ravel.